Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin dans la matinale est Antonin Mahé. Il est animateur des jeunes socialistes des Côtes d'Armor. Il est conseiller municipal de Paimpol et il a fait le chemin pour être avec nous ce matin en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. On va parler donc de politique, on va parler d'Europe également puisque, j'allais presque dire c'est la dernière ligne droite, encore à peine 3 semaines avant les élections européennes, avant le scrutin du 9 juin, avec beaucoup d'actualités en marge de ces élections européennes et l'actualité des élections européennes. C'est aussi un débat hier soir. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ce débat entre Gabriel Attal, le Premier ministre, et Jordan Bardella, tête de liste du RN. Alors j'avoue que je n'ai pas regardé, puisque ce débat ne m'intéressait pas forcément. Je rappelle également qu'il est très peu acceptable qu'il y ait eu ce débat. D'ailleurs, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a saisi l'ARCOM pour demander des mesures suite à ce débat où, en fait, on réinstaure encore une fois le duel Macron-Le Pen, alors avec, certes, Jordan Bardella et Gabriel Attal, alors que... je rappelle que notre liste Réveiller l'Europe avec Raphaël Glucksmann arrive quasiment désormais en seconde position. Hein, selon les sondages, on est à un chouïa de passer deuxième. Voilà, il y a une inversion des courbes qui peut avoir lieu finalement. Qui peut avoir lieu, voilà, dans les prochains jours, en tout cas, j'y crois d'ici 9 juin. En tout cas, ces sondages qui donnent le RN, on en a beaucoup parlé sur l'antenne de Bretagne 5, qui donnent le RN en tête avec 33%, hein, c'est le dernier sondage en date. J'imagine que ça interpelle le jeune militant, le jeune socialiste que vous êtes. Alors évidemment, c'est relativement inquiétant hein, que le RN arrive quasiment à 33% et que l'extrême droite cumulée arrive quasiment à 40%, puisqu'il faudrait rajouter aussi la liste de Marion Maréchal-Le Pen et les autres listes d'extrême droite qui se présentent aux élections européennes, puisque je crois qu'on a 37 listes qui se présentent, donc c'est un chiffre assez important. Évidemment, moi ça m'interpelle, notamment parce que, selon les sondages, encore une fois, hein, c'est la jeunesse qui vote quand même beaucoup pour Jordan Bardella. C'est aussi, moi je le dis, la responsabilité de ce gouvernement. Lorsqu'on met en place la même politique que Jordan Bardella, notamment sur la loi immigration, les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Alors, Jordan Bardella, il y a un effet indéniable. Jordan Bardella, 27 ans, voilà, toute une vie politique devant lui. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes que vous croisez sur les marchés, quand vous tractez, quand vous allez, j'allais presque dire porter la bonne parole. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes qui souvent aussi se détournent des urnes? Alors, les jeunes se détournent des urnes, donc en fait, il y a réellement deux combats à mener. D'abord, que les jeunes retournent vers les urnes, je vais y arriver ce matin, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, toute leur vie dépend de la politique. Hein. Tout ce qu'on fait du matin jusqu'au soir dépend de la politique, dépend du vote. Donc en fait, il faut vraiment que les jeunes retournent vers les urnes. C'est important qu'ils puissent désigner leurs représentants à chacune des différentes élections. Et ensuite, qu'est-ce que je dis, moi, aux jeunes qui votent Bardella? C'est d'abord, aller lire les programmes, aller voir les bilans. Parce que, pour beaucoup, en fait, ils n'ont pas lu le programme de Jordan Bardella. Et ils n'ont pas été voir le bilan catastrophique de Jordan Bardella au Parlement européen. Je rappelle que c'est un taux d'absence qui est immense, très peu de travail de fond. Alors que les candidats de gauche, et notamment Raphaël Glucksmann, ils ont mené un vrai travail de fond pendant ce mandat au Parlement européen. Et on compte bien continuer après le 9 juin. Alors, on n'a pas essayé le Rassemblement national. Alors, on a l'impression un peu d'un premier tour qui ne dit pas son nom de l'élection présidentielle qui aura lieu dans 3 ans, en 2027, on a l'impression d'aller d'une forme de primaire. Alors, je rappelle quand même qu'on a déjà testé l'extrême droite entre 1939 et 1945 et que ce ne fut pas franchement une très grande réussite. Et puis un autre sujet, notamment sur peut-être ce premier tour des élections présidentielles de 2027. Moi, j'aimerais pendant cette élection qu'on parle d'Europe, parce qu'en fait, l'Europe dans notre vie quotidienne, c'est beaucoup de choses. Voilà, c'est tout ce qu'on fait du matin au soir. L'Europe, à un moment donné,
y est venu. L'Europe, c'est des centaines de millions d'euros d'investissement dans nos communes, notamment dans ce département. L'Europe, c'est Erasmus pour les jeunes. Mmh. Voilà, il y a tout un tas de politiques. C'est la PAC pour les agriculteurs, par exemple. Donc, en fait, il y a tout un tas de politiques qui sont européennes. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on parle d'Europe pendant cette élection parce que ça manque. Et qu'en fait, c'est certes une élection qui a lieu en France, mais elle a également lieu dans tous les pays de l'Union européenne. Et à la fin, c'est le rapport de force au Parlement européen qui compte et pas celui qui est en France. Alors, on a entendu le président de la République s'exprimer justement lors de son discours de la Sorbonne il y a quelques semaines sur le danger ou les dangers qui menaçaient l'Europe. Et avec cette phrase, l'Europe peut mourir, elle peut disparaître. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez ? Alors, je ne crois pas que l'Europe puisse disparaître, mais en attendant, elle est quand même menacée par beaucoup de choses. D'abord par l'extrême droite, on en parlait il y a quelques minutes, hein, quand on voit les propos qui sont tenus par la tête de liste de l'AFD, qui est l'équivalent du Rassemblement National en Allemagne, c'est quand même inquiétant. Hein, ça pose... L'AFD qui a été retirée du groupe au Parlement européen. Ça pose question, puisque la citation était, si mes souvenirs sont exacts, tous les SS ne sont pas des criminels. Mmh. Ce qui est quand même relativement grave, et je tiens à rappeler que tous les SS sont des criminels, évidemment. Et puis, il y a un autre danger, c'est celui des ingérences étrangères. Alors, je pense... à la Russie, je pense à la Chine. Je rappelle qu'il y a une guerre qui est aux portes de l'Europe. Hein. Faut jamais l'oublier parce que si on n'aide pas l'Ukraine, j'ai envie de dire que Vladimir Poutine, lui, risque pas de s'arrêter en si bon chemin. Et il a fait d'ailleurs une démonstration de force hein, autour d'armes nucléaires tactiques. J'allais pas se dire aux portes de l'Ukraine. Ah bah oui. De toute manière, il y a une démonstration de force qui est en cours et c'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter d'aider. Les Ukrainiens, notamment sur l'envoi de matériel pour leurs troupes. On ne fait pas assez vite, finalement, pour l'Ukraine. On ne fait pas assez. Je pense qu'on ne fait pas assez. Je pense qu'il faut augmenter, encore une fois. Alors, moi, je ne suis pas, comme le président de la République, favorable à l'envoi de troupes, évidemment, en Ukraine, puisque d'ailleurs, je rappelle que le président Zelensky ne le demande pas. Donc, il n'y a pas de raison, avoir... ce débat. Par contre, je pense qu'il faut leur envoyer beaucoup de matériel parce que ils sont en difficulté un petit peu là ces dernières semaines et il y a un vrai danger quand même. Le vrai danger, c'est Vladimir Poutine. Et puis, j'en profite, il y a un autre danger quand même, c'est aussi la Chine et ses ingérences étrangères qu'elle peut faire notamment sur cette campagne. Je rappelle que c'est arrivé à plusieurs candidats, notamment... là, il y a quelques jours, François-Xavier Bellamy, de se faire hacker par... Qui a porté plainte, d'ailleurs. Exactement, de se faire hacker par les Chinois qui essayent de manipuler ces élections européennes. Et ça, c'est aussi un danger important pour l'Union européenne. Alors, on voit qu'il y a cet enjeu géostratégique autour de l'Union européenne, autour de certains pays, comme la France, évidemment, pays emblématique de l'Union, pays fondateur aussi de l'Union européenne. Et puis, il y a l'actualité qui se passe très loin de nous, à plusieurs milliers de kilomètres de nous. Le président de la République s'est rendu à Nouméa, suite aux émeutes en Nouvelle-Calédonie. Ça résonne aussi avec le contexte de ces élections européennes, car c'est aussi un point géostratégique. Il y a du nickel en Nouvelle-Calédonie. Et là aussi, ça excite un peu les convoitises. Et on voit là aussi la main de la Russie et de la Chine, et même de l'Azerbaïdjan, si on en croit les propos de Gérald Darmanin. Alors, le débat calédonien, il existe, on le sait, depuis des dizaines et des dizaines d'années, hein, sur la question de l'indépendance de l'île. Il y a eu trois référendums, dont un référendum, le dernier, qui a été boycotté par les indépendantistes. Et donc, d'abord, sur ce point-là, je pense qu'il n'aurait pas fallu le reconnaître, puisque quand 50% de la population ne participe pas à un référendum qui est quand même... Qui vient à la base d'un accord quand même. À noter que les Kanaks l'ont dit, ils étaient en période de deuil hein, suite au Covid-19 et ils ne voulaient pas participer à ce référendum. C'est la raison qui a été invoquée par les indépendantistes et il aurait fallu l'écouter puisque je rappelle qu'on était encore en période de Covid et que l'île a été très durement touchée par l'épidémie. Et là, on a, depuis quelques semaines maintenant, une réforme sortie du chapeau, je dirais, qui consiste donc à ouvrir le corps électoral
de la Calédonie pour permettre à tout le monde de voter plus facilement. Ça mettrait finalement les indépendantistes en minorité. Exactement. D'abord, moi je tiens à dénoncer le fait qu'il n'y a pas eu de concertation réelle avec les deux parties, et d'ailleurs on en voit le résultat aujourd'hui, hein, ce sont des émeutes en Nouvelle-Calédonie, et je pense qu'il faut mettre en pause cette réforme et aller discuter avec les parties prenantes sur la suite à donner aux accords de Nouméa. On a entendu Emmanuel Macron s'exprimer justement en Nouvelle-Calédonie, dire que ce n'était pas le Far West, que ça ne deviendrait pas le Far West. On voit aujourd'hui que économiquement l'île est très touchée, le caillou comme l'on dit est très touché. Il faudra beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour reconstruire beaucoup de choses. Au-delà des négociations, est-ce que il fallait se déplacer? Est-ce que le président avait devoir de se déplacer sur place? Je pense qu'il avait le devoir de se déplacer, mais pas pour dire ce qu'il a dit. C'est-à-dire de dire, moi je pose, alors, bon, poser comme préalable la fin des violences, oui, évidemment, mmh. Je pense que tout le monde est d'accord au fond là-dessus, mais poser comme, enfin, indiquer avant même le début des futures négociations, je l'espère, qu'il ne toucherait pas à sa réforme, c'est complètement idiot. Mmh. C'est une posture qui est absolument pas acceptable, c'est-à-dire de dire moi je suis prêt à négocier, par contre je ne touche pas ma réforme. Donc où est la négociation à partir de là? Voilà, on ne reviendra pas en arrière, hein, c'est le terme qui a été employé par le chef de l'État. La Nouvelle-Calédonie, forcément, ça a un impact sur la conduite de la campagne électorale, tout comme le conflit au Proche-Orient, on l'a vu, entre Israël et le Hamas. C'est un conflit qui a... j'allais presque dire ici en France, nous met dans un contexte explosif. On a vu les actes antisémites se multiplier, on a vu une forme d'affrontement entre les pro-Israël et pro-Palestine. Est-ce qu'il y a un besoin d'apaisement pour pouvoir là aussi parler d'Europe, oublier un petit peu, enfin en tout cas oublier, en tout cas là aussi essayer d'apaiser les choses? Alors je ne pense pas qu'il faille oublier... Non, oublier n'est pas le bon terme, apaiser bien entendu. Comprends. Mais je pense qu'il faut un petit peu d'apaisement. Il y a la Cour pénale internationale qui s'est saisie de la question, hein, puisque le procureur général a demandé des mandats d'arrêt contre le chef du Hamas et contre Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement israélien. Attendons de voir ce que disent les procureurs de la CPI avant de... Voilà, parce que moi je rappelle, et à chaque fois que je suis venu sur Bretagne 5, je l'ai rappelé, moi je ne crois que la justice, et je ne suis pas juge, donc je n'ai pas à décider qui est criminel ou pas, ça n'est pas du tout de ma responsabilité. Par contre, il faut un apaisement, il faut un cessez-le-feu qui soit décidé sur du très court terme, parce que on est quand même sur un degré de violence qui est très important. Je vais pas rappeler le nombre de morts, le nombre de blessés, parce que voilà, mais... À un moment donné, il va falloir que tout ça s'apaise et il faut un cessez-le-feu, je pense. Et la France a un rôle à jouer, un rôle, je pense, qu'elle ne joue pas actuellement, de se mettre un petit peu en arbitre des deux et de dire maintenant on arrête, on fait une pause, on regarde, on négocie et on voit la suite. Alors on parlera de diplomatie tout à l'heure et de défense, parce que là aussi il y a beaucoup de choses de dites et qui ont une forme de résonance, mais si la campagne électorale est un peu chahutée avec l'actualité, il y a tout de même des urgences, et on pense à l'urgence climatique aujourd'hui, on l'a un petit peu mise de côté dans la campagne, néanmoins elle revient très souvent dans le discours des différentes têtes de liste, et c'est le cas de Raphaël Glucksmann. Aujourd'hui on est devant une urgence climatique. On voit les jeunes, on parlait tout à l'heure des jeunes hein, qui s'engagent, ou en tout cas pour certains qui ne vont pas voter, mais il y a quand même des engagements, pas forcément politiques, mais des engagements, et c'est le cas pour le climat. Aujourd'hui, il y a urgence sur le climat, qu'est-ce que propose la liste de Raphaël Glucksmann, par exemple? Alors, d'abord sur le programme, hein, donc le programme de Raphaël Glucksmann, le candidat de tête de liste de Réveiller l'Europe, est sorti il y a quelques jours maintenant, et donc il est divisé en quatre chapitres, hein, donc une Europe puissante, une Europe écologique, une Europe sociale et une Europe juste. Petite précision, vous pourrez nous retrouver sur à peu près tous les marchés du secteur avec ce programme qu'on sera ravis de vous distribuer. En termes d'écologie, nous on propose un certain nombre de choses. D'abord, un point important, parce que c'est un peu un sujet d'actualité, c'est la PAC, la politique agricole commune, hein, qui aide un certain nombre d'agriculteurs, notamment dans notre département des Côtes-d'Armor.
et qui est un point de bascule d'une politique écologiste. D'abord, nous, on propose du coup de remplacer la politique agricole commune par une politique agricole et alimentaire commune, puisqu'on veut mettre l'alimentation au cœur de l'écologie et de l'agriculture, puisque c'est ce qui nous permet quand même de vivre. Hein, les deux sont intimement liés, finalement. Effectivement, c'est quand même important. Et on propose plusieurs choses dans cette nouvelle PAC, entre guillemets avec deux A du coup. D'abord, c'est éliminer les aides à l'hectare, puisque vous savez qu'aujourd'hui, plus on a d'hectares, plus on a de subventions de la PAC. Et nous, ça ne nous convient pas comme ça. Nous, on souhaite passer plutôt à des aides à l'emploi et à l'utilité écologique en fonction du degré d'écologie qu'adopte chaque exploitation agricole. Ensuite, c'est évidemment en accompagnant les agriculteurs dans la transition agroécologique et en assurant l'installation d'une nouvelle génération de paysannes et de paysans, puisqu'on sait que une partie d'entre eux arrive à un certain âge et souhaitent aujourd'hui prendre leur retraite mais ne trouvent pas de successeur. Et enfin, surtout, c'est très important là-dessus, c'est garantir le revenu des agriculteurs via notamment des prix planchers rémunérateurs et en sortant l'agriculture du libre-échangisme anarchique entre guillemets, et en protégeant cette agriculture, et notamment celle de notre département, de notre région, d'une concurrence déloyale qui existe aujourd'hui en Europe. Voilà, il faut sortir aussi des accords qui ont été faits, on pense au CETA, on pense au Mercosur, il faut revenir sur ces accords, il faut, on a entendu beaucoup de candidats d'ailleurs qui les dénoncent, hein, quelle que soit la sensibilité politique, est-ce qu'aujourd'hui il faut dire stop, on n'a pas les mêmes règles selon qu'on importe du bœuf d'Argentine ou du poulet qui vient par exemple du Canada, on sait que les règles sanitaires ne sont pas les mêmes, et on pourrait ajouter l'Ukraine où il y a une inquiétude aujourd'hui de la part des agriculteurs français. Alors sur les traités de libre-échange, d'abord un point important, hein, les eurodéputés socialistes français n'ont voté durant ce mandat aucun traité de libre-échange. Je pense que c'est très important de le préciser, puisqu'il y a une petite musique qui tourne et qui dirait que nous sommes des pros du libre-échange, nous les socialistes français, ce qui est évidemment faux. Nous on souhaite protéger nos entreprises françaises, et on sait que pour beaucoup sont en difficulté. Frédéric Bonnard-Lefloc, par exemple, 16e de notre liste, était en visite à Diwal dans le Finistère cette semaine pour rappeler que l'usine qui produisait ces masques a fermé, puisqu'on a préféré aller acheter des masques en Chine. Nous, ce qu'on propose, c'est d'abord adopter un Buy European Act qui réservera donc en priorité la commande publique européenne aux producteurs européens, parce que on estime que le public, lui, doit soutenir l'économie européenne et les entreprises européennes. Et enfin, vous parliez par exemple du bœuf d'Argentine notamment. Voilà, c'était un exemple. Et puis, c'est un exemple qui est très intéressant, parce qu'il va aussi avec une proposition de Raphaël Glucksmann, qui est d'établir des mesures miroirs aux frontières de l'UE, donc pour appliquer aux produits importés, évidemment, les mêmes normes qu'on demande aux agriculteurs et aux producteurs et aux entreprises européennes, et lutter donc contre le dumping social et la concurrence évidemment déloyale. Alors, sur la commande publique, c'est vrai que dans les cantines aujourd'hui, on a parfois affaire à des produits qui viennent de loin, et pas forcément sur des circuits courts. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aujourd'hui, par exemple, d'une forme de représailles des autres pays qui ne font pas partie de l'Europe, qui diraient, puisque vous n'achetez pas nos produits, nous on n'achète pas les vôtres. Mais je ne pense pas, parce que de nombreux pays le font déjà. La Chine, en Europe, il y a tout un tas de règles aujourd'hui qui n'ont pas de sens. Par exemple, le fait qu'on ne puisse pas subventionner réellement une entreprise publique. Un État ne peut pas vraiment subventionner une entreprise publique. Et on l'a vu, d'ailleurs, avec Fret SNCF, qui est en cours de démantèlement, malheureusement. On perd encore un de nos fleurons national après Alstom il y a quelques années. Mais de nombreux pays appliquent déjà. Je veux dire, en Chine, la production de voitures électriques, par exemple, elle est fortement subventionnée par le gouvernement. Et ça ne dérange personne. Aux États-Unis, pareil. Pourtant, vous n'allez pas me dire que les États-Unis est un pays marxiste. Non, pas vraiment. Et pourtant, ils financent
leurs entreprises. Et donc, je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas faire la même chose. Avec Donald Trump qui espère revenir aux affaires en novembre, voilà, je vous laisserai commenter la chose. Mais si d'aventure Donald Trump revenait, on imagine qu'il y aura un protectionnisme américain important, la préservation des entreprises américaines. Et ça va même jusqu'au domaine de la défense, on va en dire un mot tout à l'heure, où finalement les États-Unis nous laisseraient nous débrouiller un petit peu avec notre défense européenne en marge de l'OTAN. Mais sur cette question de la défense européenne, nous on souhaite réarmer l'Europe, parce qu'aujourd'hui on considère qu'effectivement si Donald Trump revenait au pouvoir, il l'a déjà annoncé, excusez-moi, il abandonnerait la branche entre guillemets européenne de l'OTAN. Nous on propose 100 milliards, nous on veut mettre 100 milliards sur la table en créant un fonds pour investir dans nos industries de défense et coordonnées par la Commission européenne, évidemment, les achats d'armes. On souhaite, parce que on parlait des États-Unis, mais c'est intéressant de parler aussi de l'autre côté. Et nous, c'est ce que je disais avec l'Ukraine, on propose de défendre l'Europe contre l'impérialisme russe qui est aujourd'hui en train d'attaquer l'Europe, notamment en saisissant, et ça permettra de financer un certain nombre de politiques, dont notamment celle de la défense, en saisissant les 206 milliards d'euros qui dorment. Qui sont donc les avoirs russes qui ont été gelés au moment où la guerre a commencé, nous on propose de les saisir et de les investir, par exemple, dans le réarmement de l'Europe pour nous protéger. Alors actuellement c'est les Russes, mais demain ça pourrait être aussi un autre pays. Et nous on propose du coup de réarmer l'Europe en investissant dans notre industrie de la défense, qui est une belle industrie, mais qui a été malheureusement un petit peu abandonné ces dernières années. Avec déjà un premier pas concernant les avoirs russes, puisque la Commission européenne a déjà donné un accord sur le principe. Voilà, la première pierre dans le jardin de Vladimir Poutine. Avec effectivement cette défense européenne, qui est aussi une garantie d'indépendance, car aujourd'hui on est quand même dépendant d'autres pays qui ne sont pas forcément européens. On pense en termes de semi-conducteurs très très utiles aussi dans la défense. Là aussi, il va falloir réindustrialiser. On a entendu beaucoup le mot cet an dernier, réindustrialiser, alors que ce soit en termes d'industrie de la défense, mais d'autres industries aussi qui ne sont pas forcément plus sensées, mais qui sont utiles à l'économie. Alors évidemment, moi je suis convaincu qu'il faut réindustrialiser notre pays et l'Europe entière. On a laissé pendant des années les délocalisations hors Union européenne se faire, notamment vers la Chine, et aujourd'hui on se retrouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une puissance qui commet des ingérences systématiques contre l'ensemble des pays de l'Union européenne. Alors pareil, il va falloir investir, c'est de l'argent. La droite dira qu'il faut arrêter de subventionner l'industrie. Nous, on pense le contraire, parce que pour la relancer, il faudra évidemment la subventionner. Vous parliez de dépendance, et c'est très intéressant, le sujet de l'indépendance, parce que là on parlait de la dépendance vis-à-vis des industries notamment chinoises, puisque c'est un fait, ils produisent quasiment tout ce qu'on utilise dans l'Europe, mais on a aussi la dépendance aux énergies fossiles. Je pense au pétrole, au gaz, au charbon. Un certain nombre de pays de l'Union européenne ne possèdent pas la technologie nucléaire et donc se produisent de l'électricité avec des énergies fossiles qu'on importe hors Union européenne, évidemment. Et nous, ce qu'on propose avec Raphaël Glucksmann et la liste Réveiller l'Europe, c'est donc de se donner les moyens pour atteindre 75% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'électricité par les Européens à l'horizon de 2040, tout en conservant, et c'est peut-être une spécificité de notre liste, une part de nucléaire. Parce que moi je crois au nucléaire, je suis convaincu par cette énergie. Certains diront qu'il y a eu des accidents, mais en gros, deux gros accidents depuis qu'on maîtrise cette énergie. Tchernobyl et Fukushima, effectivement. Dont un qui n'était pas lié finalement à un problème technique, mais au tsunami, évidemment, effectivement. Concernant Fukushima. Donc voilà, et nous, du coup, on propose 75% d'énergie renouvelable dans l'Union européenne à l'horizon de 2040, avec une part de nucléaire qu'on maintiendrait dans ce mix énergétique. Là aussi, qui garantirait une forme de souveraineté européenne, allez, n'ayons pas peur de dire, française aussi. Mais j'en profite, je rappelle quand même que l'uranium non plus, on ne l'extrait pas dans l'Union européenne. La meilleure chose pour réduire notre dépendance, c'est aussi, il faut le dire, la sobriété énergétique. Parce que moins on consommera d'électricité,
Moins on sera dépendant des pays hors de l'Union européenne. Là encore, une forme de souveraineté à garantir. Et ça pose aussi la question de l'extraction de l'uranium, parce que les pays qui, évidemment, produisent l'uranium, on pense à une part de l'Afrique. Bon, en ce moment, on est un peu en délicatesse avec eux. Est-ce qu'il va falloir, là aussi, reposer les ponts du dialogue ? Là, on est plus sur de la diplomatie, finalement. Ah bah sur la diplomatie, alors moi je suis pas diplomate, mais je pense qu'il faut qu'on ait, qu'on maintienne des liens avec un certain nombre de pays où aujourd'hui il y a des difficultés. Il y a des liens qui ont été rompus, qui sont abîmés. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a des difficultés aujourd'hui que demain elles seront toujours là, donc il faut maintenir un dialogue et continuer à discuter avec ces pays. Alors il nous reste 3-4 minutes, j'aurais voulu vous entendre aussi sur le pouvoir d'achat, parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a vu qu'il y avait une forme de désertion des urnes, une forme de désenchantement, une forme de aller aussi de pointe du doigt l'Europe. Beaucoup de citoyens, quand on parle de l'Europe, c'est plutôt en pas bien qu'en bien. Aujourd'hui, on sent aussi qu'il y a cette défiance, parce que l'Europe n'a pas peut-être su protéger les citoyens, n'a pas su garantir un pouvoir d'achat. On parlait d'énergie à l'instant, on voit que l'énergie coûte extrêmement cher, c'est pratiquement le premier budget des ménages aujourd'hui avec le logement. Est-ce que là aussi il va falloir peser politiquement au sein de l'Union européenne pour changer, alors les règles, c'est peut-être pas aussi simple, enfin en tout cas, changer les mentalités? Alors, malheureusement, du coup, en fait, on continue quasiment la discussion que j'ai eue la dernière fois que je suis venu sur le pouvoir d'achat, oui, puisque rien n'a changé depuis. Je pense que ces problèmes de pouvoir d'achat, ils participent aussi au fait que les gens n'aillent pas voter parce qu'ils sont peut-être dégoûtés de la chose politique. Se tournent parfois vers le Rassemblement National. Mais effectivement, mais je voudrais rappeler aux gens que c'est en votant qu'ils peuvent changer les choses et changer de politique, changer de gouvernement en 2027 notamment. Alors sur l'élection européenne plus précisément, on porte un certain nombre de propositions pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. D'abord, faire baisser les factures d'énergie des ménages, mais j'en profite, des PME aussi et des collectivités qui sont aujourd'hui aussi en Bien grande sûr. Difficulté. D'abord en faisant annuler en France les augmentations de taxes sur l'électricité, et un point important, en découplant du prix d'électricité le prix du gaz, puisqu'aujourd'hui, on le sait, l'énergie qu'on produit en France, elle n'est pas chère, mais comme elle est couplée au niveau européen au gaz, le gaz qui lui est plus cher, forcément, il y a une moyenne, donc c'est plus cher. On le voit depuis quelques temps, effectivement, une augmentation importante avec la guerre en Ukraine. Effectivement, puisqu'on sait qu'on utilisait beaucoup de gaz russe et que donc, comme on a imposé des sanctions à la Russie, c'est difficile. On propose aussi, au niveau européen toujours, de mettre la justice salariale au cœur de notre action en interdisant notamment les écarts de salaire supérieurs à 20 dans une même entreprise qui perçoit des subventions européenne, comme le propose notamment, et là on a repris une proposition de la Confédération européenne des syndicats. On propose également de mettre en place une directive européenne pour un revenu minimum. Et enfin, parce que c'est aussi très important, on propose, et c'est un point très important de notre programme, et donc je veux absolument en parler, c'est lutter contre le dumping social en harmonisant par le haut le socle européen des droits sociaux, donc avec le revenu minimum, les minima sociaux. On propose aussi d'améliorer la couverture de la sécurité sociale et de mettre en place un meilleur encadrement des travailleurs détachés. Voilà, une Europe sociale qui reste à construire sur les bases, en tout cas avec ses propositions. Je rappelle qu'on parlait d'Europe ce matin, on a essayé d'en parler plus que d'actualité franco-française, on pourrait le dire comme ça. Avec vous, Antonin Mahé, je rappelle que vous êtes animateur des jeunes socialistes des Côtes d'Armor, conseiller municipal de Paimpol et très actif, on l'aura compris, dans une campagne qui ne vous laisse pas beaucoup de répit, et vous étiez cependant là ce matin avec nous en direct. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.